c'est les jeunes qui ont créé le festival, accompagnés de l'équipe du service jeunesse. Le festival, c'est parti il y a 4 ans. Des jeunes qui sont venus voir au collège en me demandant s'ils pouvaient jouer de la musique, déjà au sein du foyer du collège. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés le mercredi, le samedi et pendant les vacances. Et d'autres petits artistes en herbe se sont greffés à eux. Et de là est né le festival jeune, en fait. Mais au fait, c'est quoi la différence? C'est vrai, c'est jamais la même. C'est celle qui fait qu'on est unique. La différence, c'est la tolérance. C'est l'espérance. C'est l'indulgence. C'est l'ambiance. C'est l'essence. C'est la puissance! Alors, je m'appelle Oudji, j'ai 13 ans. Je m'appelle Muriel, j'ai 16 ans. Je m'appelle Ambrine, j'ai 14 ans et demi. Qu'est-ce que vous faites pendant ce festival? Ce qu'on fait pendant ce festival, simplement, on a fait déjà quelques spectacles en tant que théâtreux et danseuse. Et après, donc, on était staff. Donc, on s'est occupé d'afficher toutes les affiches, de mettre des photos, etc. Bénévolement. Dans le montage du projet, c'est l'aspect participatif. Ce matin, à l'installation du projet, il y avait des agents communaux, des élus, il y avait des parents, des enfants, et tout le monde était ensemble. C'était un vrai moment de bonheur, dans un monde un peu individualiste, et c'était très chouette d'avoir cette action dans mon village et dans cet esprit-là, avec ces valeurs-là. C'est encore une grande réussite comme les éditions précédentes. Moi, je sais, c'est un moment qui est vraiment très convivial et vraiment agréable, surtout un moment où tous les jeunes peuvent s'exprimer, puisque c'est eux qui ont voulu et qui ont choisi d'avoir un événementiel comme le festival et le festival, et c'est eux qui le montent de A jusqu'à Z. Familial et c'est bien quoi. On voit un peu tous les enfants qui évoluent au fur et à mesure des années à chaque fois qu'il y a le festival et je trouve ça bien, très bien. Résumez-moi en un adjectif ce qui est pour vous le festival. Gaieté. Moi je dirais convivial. Coopération. Merveilleux. Ça fait 4 ans que je viens au festival, donc je trouve que ça évolue très très bien. Ça grandit, ça devient de mieux en mieux organisé. Donc voilà, tout me plaît en fait dans le festival. La musique, le théâtre, la danse, les jeunes talents et tout ça. Moi c'est la première fois que je viens, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents. Et moi ça me plaît ça, parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du monde. Et il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance, tout le monde est là, détendu, plein de choses différentes à faire, donc ça me plaît beaucoup. Allez! Je suis une machine à fric, mais ça c'est dans les gènes. Mon père il faisait beaucoup de fric. Mon grand-père faisait du fric et mon arrière-grand-père faisait déjà beaucoup, beaucoup de fric. C'est dans les gènes, ça, madame, mais ça, vous pouvez pas comprendre. Une petite pièce, alors. Je prends pas mon rendez-vous. C'est comment votre ressenti d'artiste? En fait, j'étais tellement émue après avoir joué que j'ai pleuré. J'étais trop contente en fait et c'est parti comme ça et franchement c'était génial. L'année prochaine, je reviens obligée. moi je dis vive les artistes de théâtre parce que c'est nous qui avons tout fait, encore. Et l'année prochaine, je reviens pour mettre le feu.
Ноги в ответе.